Alors dans cette vidéo, je voulais aider un abonné qui m'avait posé cette question par mail. Il avait un souci, comme quoi il n'arrivait pas à sentir son dos lorsqu'il faisait les tractions et qu'il avait plus l'impression de tirer avec les bras qu'avec vraiment le dos. Et il voulait me demander comment résoudre ce problème et plus engager le dos sur les tractions. Donc ça, c'est un problème que pose l'exercice en lui-même avec beaucoup de gens. Beaucoup de personnes ont du mal à sentir leur dos. Sur les tractions. Moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Maintenant, c'est bon, c'est plutôt résolu, c'est plutôt bien résorbé. Mais il y a une difficulté à comprendre le mouvement et à comprendre comment fonctionne en fait, surtout les omoplates, le rôle des omoplates dans les tractions. On a tendance à croire qu'il suffit juste de tirer. En même temps, en général, dans les tractions, on t'explique pas vraiment comment bien actionner tes muscles pour vraiment faire correctement le mouvement et solliciter bien tous les muscles. Donc oui, les tractions vont solliciter les bras, c'est normal, les biceps notamment, mais pas que. T'as aussi les avant-bras qui sont engagés, mais c'est vrai que tu devrais normalement aussi et en majorité sentir le dos. Donc pour bien sentir le dos dans les tractions, la clé, c'est comprendre, selon moi, hein, ça se trouve, il y a d'autres personnes qui vont te donner d'autres conseils, mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est comprendre le mouvement de ce qu'on appelle la scapula. Donc la scapula, c'est quoi? C'est tout bêtement le mouvement des omoplates. Donc en général, les omoplates, tu vois, c'est pas quelque chose que tu as l'impression que tu peux bouger à ta guise, tu vois. C'est quelque chose que tu ignores complètement sur un exercice, même dans la vie de tous les jours. Et pourtant, c'est ce qui est clé. C'est ce qui est clé, c'est ce qui va vraiment te permettre de vraiment engager et sentir tes muscles du dos. Savoir bouger, savoir avoir une mobilité scapulaire au niveau des omoplates. Hein, scapula égale omoplate. Te fais pas, voilà, te fais pas de schéma dans la tête, complexifie pas les choses, mais c'est histoire d'avoir les termes. Donc pour avoir un bon mouvement, une bonne mobilité scapulaire, il faut vraiment comprendre comment fonctionne, comment bouger son scapula. Donc le scapula, tu peux le bouger dans quatre directions. Donc je te mettrai un schéma qui te montrera ça. Tu as un mouvement qui est une élévation, comme tout son nom l'indique, c'est en fait le mouvement où tu vas lever les épaules, hein, un shrug. Tu as le mouvement inverse qui est ce qu'on appelle une dépression, où tu vas abaisser les épaules. Tu as un mouvement où ça va être amener, on va dire, les épaules en avant, ce qui va faire que tes omoplates vont s'éloigner de la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle une protraction, c'est ce qu'on recherche notamment sur les planches, etc. Et tu as un mouvement où justement ça va être de ramener les omoplates vers la colonne vertébrale, de ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. En faisant ça, tu vois, ça fait un bon mouvement où tu ouvres les épaules. Et ça, c'est une rétraction. Donc, élévation, dépression, protraction, rétraction. Et en faisant ça, tu as un mouvement des omoplates. Donc, ce qui se passe avec les tractions, quand tu conscientises pas en fait ce mouvement d'aller contre la gravité, parce qu'en fait, ce qu'on se fait, c'est qu'on se fait emporter par la gravité. Ce qui se passe quand tu sens vraiment que tes bras, c'est qu'en fait, tu as tes épaules, elles montent en avant et tu es arrondi comme ça, tu vois. Voilà, tu te laisses emporter par la fatigue et par la dépression. Et voilà, tu tires que comme ça, tu vois. Là, en fait, en faisant ça, tu engages en aucun cas tout le reste du buste et surtout les dorsaux. Donc, ce qu'il faut pour corriger ça, c'est vraiment abaisser à mort les omoplates, avoir ce qu'on appelle une dépression et en même temps une rétraction pour vraiment sentir, on va dire, tout le centre du dos, le milieu du dos. Et là, à ce moment-là, pas besoin d'exagérer non plus le truc, hein. Il y en a qui, par exemple, font des tractions en étant vraiment cambrés, pourquoi pas, mais si tu veux faire des tractions classiques, pas besoin non plus d'être complètement cambré. Une rétraction où tu es juste engagé, où tu as juste le bon positionnement au niveau des omoplates qui sont à la bonne position. Donc, dépression et rétraction. Empêcher d'aller que les omoplates aillent en avant, avoir une cage thoracique plus ouverte. Okay? Donc, ça, c'est la clé. Un exercice, je vais te présenter quelques petits éducatifs pour bien comprendre ça. Donc, ça, tu as compris en dehors du mouvement. C'est important. Donc, pour
on va dire, éduquer ça, répéter ça et avoir un petit éducatif pour réchauffer cette zone, parce qu'il se peut que cette zone soit endormie chez toi. Si tu sollicites pas assez tes muscles, ce qui fait, c'est qu'ils s'atrophient et en général, tu galères à envoyer le message de ton cerveau aux muscles pour qu'ils se contractent et tu engages moins de fibres musculaires. Pour réveiller ça, il faut en fait tout simplement le pratiquer, pratiquer, pratiquer et contracter en fait ses muscles. Et ce que tu peux faire, c'est un petit éducatif, ce qu'on appelle la boxe. Alors, c'est un exercice que j'avais vu dans une vidéo où en fait tu tout simplement répètes les quatre mouvements. Tu fais une dépression, une élévation, une rétraction, une dépression, une protraction, une élévation, une rétraction, ouais, je me mélange dans les mots, une dépression, une protraction. Et tu fais ça de manière plus en plus fluide. Au début, tu commences en étant robotique, saccadé. Hop. Et après, une fois que tu es à l'aise, tu vas de plus en plus fluide, tu vois. Pareil de l'autre côté. Pareil, tu peux essayer juste un bras, essayer d'isoler de l'autre côté. Tu peux également le faire dans l'autre sens. Mais en faisant ça, en fait, c'est vraiment d'isoler le mouvement et avoir le mouvement qui part vraiment des omoplates. Petit à petit, concentre-toi vraiment sur les omoplates et essaie de sentir ce côté de rouler, tu vois, que tes omoplates, elles roulent comme ça. C'est vraiment sentir ça à un moment donné. Et ça, fais-le pendant un petit moment. Tu vas voir que tu commences à sentir, moi je commence à le sentir au niveau du dos, tu vois, au niveau de là, plus bas même. Je commence à sentir que ça chauffe, tu vois. Donc fais cet exercice. Je te dirai après comment placer ça dans tes trainings, tu vas voir. Il n'y aura pas besoin de complexifier ton entraînement, mais je t'expliquerai ça après. Donc ça, c'est un premier éducatif. Donc ça, c'est en dehors de la traction. Maintenant, on va essayer de comprendre ça avec le mouvement de traction, donc de tirer vers soi. Le truc que tu peux faire, en fait, moi je pense que ça va être beaucoup plus facile de l'appliquer sur un mouvement de traction horizontal que vertical. C'est plus simple, à mon avis. Mais au lieu de faire des tractions horizontales, ce que tu peux faire, je vais te montrer ça avec. T'as juste besoin d'une serviette et d'une porte. Tu vas en fait coincer la serviette dans la poignée de la porte. Et tu vas être en fait à la. Tu seras droit en fait. Et ce que tu vas faire, c'est pencher ton poids de corps vers l'arrière et relâcher complètement tous tes muscles. Tu vois, tu vas laisser en fait ton poids de corps te tirer vers l'arrière et tu vas être en protraction, littéralement. Voilà, tu seras relâché. Ce que tu vas faire, c'est consciemment apprendre à faire une rétraction. Juste ça, juste la rétraction. Tu vas faire une rétraction. Et après, une fois que tes omoplates seront bien placées, là, tu vas tirer. Tu vas voir que le fait de tirer va accentuer encore plus la contraction dans le dos. Et tu vas recommencer, tu relâches, protraction, tu rétractes et tu tires avec tes mains en dernier. Mais d'abord, tu places tes omoplates pour qu'ils soient en rétraction. Et après, tu tires. D'accord? En faisant ça avec cet exercice avec la serviette, je trouve que c'est beaucoup plus simple et là tu commences vraiment à sentir ton mouvement de tirage par le dos. Essaie-le en tout cas, moi il m'a bien aidé, il est vraiment sympa. Tu peux l'impliquer aussi dans les exercices, pourquoi pas, dans ta routine. Tu peux l'utiliser juste comme un éducatif ou comme un échauffement, c'est comme tu le veux. Mais en tout cas, juste cherche pas l'intensité. Là au contraire, on n'est pas dans l'intensité, on est juste dans un rééducatif, réapprendre ton corps, réapprendre déjà à prendre conscience de ton corps et surtout à l'utiliser correctement. Donc on n'est certainement pas dans l'intensité, on n'est pas là pour congestionner à mort, on n'est pas là-dedans. Une fois que tu as fait ça, le truc, tu as bien compris, tu as bien ressenti ça, cette sensation de tirage, que tu l'as répété de plusieurs jours, même plusieurs semaines, voire que c'est devenu quelque chose de quotidien, à ce moment-là, tu l'impliques dans tes exercices de traction. Donc il me semble que l'abonné était sur les tractions classiques. Mais par exemple, tu peux déjà le commencer sur les tractions horizontales. Donc, ce que tu as vu là, à la serviette, tu fais exactement la même chose avec les tractions horizontales. Donc, tu te places, tu te relâches complètement, tu voilà, t'es relâché, mais tu restes droit au niveau du gainage, hein, au niveau des abdos et des fessiers, des jambes. Reste droit, tu relâches, hop, tu fais ta rétraction et après tu tires. Hop, tu relâches, tu rétractes et tu tires.
Ça va bien t'aider et commencer vraiment à bien te faire sentir vraiment le dos. Ensuite, bah, tu utilises exactement le même principe sur les tractions verticales. Donc, ce qu'il faut faire là aussi, c'est que les tractions verticales, il se peut que si tu n'as pas assez de force au niveau du scapula, que tu galères justement. Je te rappelle, hein, ce qui va se passer, si tu es relâché complètement, tu vas avoir la tête entre les épaules. Tu vas être en shrug en fait, tu vas être en élévation. Ce que tu veux, c'est une rétraction, donc abaisser les épaules. Le mouvement est très. L'amplitude est réduite, hein, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mais si tu n'as pas assez de force au niveau des omoplates et au niveau du dos, il se peut que tu galères justement à sortir ta tête des épaules. À ce moment-là, il faut que tu le fasses en mettant peut-être un pied sur un appui ou sur le sol, si ta barre est pas trop haute. Et tu te délestes. En fait, tu délestes ton poids de corps, et ce que tu fais, c'est juste abaisser les omoplates et. Soit tu fais des répétitions, tu fais pas de traction pour l'instant, tu fais juste, tu t'assures que tu as bien les omoplates abaissées, tu as la tête qui sort des épaules. Et tu fais ça en répétition, hein, ce qu'on appelle des tractions scapula, juste ce mouvement. Et ce que tu peux faire aussi, c'est faire du gainage. Donc tu relâches, tu te mets en traction scapula et tu tiens. 10, 15, 30 secondes, comme tu veux, pourquoi pas une minute. Et une fois que tu as fait ces exercices-là, ben, que tu as bien compris ce mouvement d'abord, d'initier le mouvement par les omoplates et après par les bras, tu le fais sur des répétitions. Alors, l'exercice en lui-même, de relâcher complètement et de faire une dépression, puis après de faire la traction, c'est plus difficile. Tu feras beaucoup moins de répétitions. Moi, ce que j'aime bien faire, quand je fais mes tractions, il y en a plein, ils vont dire que c'est pas l'idéal, que c'est pas une vraie traction, qu'elle est crade. Mais moi, ce que j'aime, c'est garder en fait toujours la dépression, avoir toujours la tête sortie et jamais essayer de shrugger. Au contraire, toujours comme ça, je fais mes tractions en gardant cette position en fait. Tu vois. Là, ça me permet d'économiser d'énergie et faire plus de reps. Donc. T'as le choix. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu aies toujours cette rétraction et vraiment cette sensation de pas shruguer. À la fin de ta série, c'est indéniable, quand tu vas avoir de la fatigue, tu vas shruguer. Ça, c'est normal. Quand tu arriveras vraiment vers l'échec ou proche de l'échec, c'est normal, tu vas commencer à shruguer. Tes tractions vont plus ressembler à ça, elles vont être plus dégueulasses. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est avec la fatigue. Mais les premières répétitions, tu peux les faire propres, tu peux vraiment les faire. En ayant la dépression, vraiment en ayant les omoplates le plus bas possible. Et c'est à ce moment-là où vraiment tu sens bien tes dorsaux. De toute façon, le fait que tu shrugs, c'est justement que tu es en échec, on va dire, au niveau de là, et que tu n'arrives plus à créer la tension. Donc ça veut dire que ton dos a bien pris au début. Donc pas d'inquiétude, même si à la fin tu shrugs. C'est normal, c'est la fatigue musculaire. Et je vérifie que je t'ai bien tout dit. Voilà les trois, on va dire les trois quatre éducatifs. Donc la boxe, l'exercice à la serviette, l'exercice ben, scapula aux tractions horizontales, puis aux tractions classiques. Au niveau comment tu places ces exercices-là, ben si tu débutes et tout. Moi, ce que je te conseille pour les premiers exercices, surtout la boxe et le tirage serviette, c'est de le faire quotidiennement. C'est-à-dire que, histoire de te réveiller, voilà, dans n'importe quelle occasion, disons que j'en sais rien moi, tu te lèves le matin, tac, tu réveilles un peu la zone, tu vois, tu contractes, t'enroules les épaules et tout. Pareil, quelques tirages de serviette, tranquille, léger, tu vois, une petite gymnastique du matin. Tu fais ça quotidiennement, ça va permettre vraiment, avec la fréquence, de créer, on va dire, le système neuronal, tu vois, et que ton cerveau comprenne de plus en plus que tu dois utiliser cette zone, qu'il doit utiliser cette zone, et augmenter la capacité à contracter les muscles dans cette zone. Donc ça, quotidiennement, c'est pas mal, petit éducatif le matin, et tu peux le faire également en échauffement, avant de faire tes exercices de traction, pourquoi pas, histoire de réveiller un peu la zone aussi. Donc implique-le un peu comme tu veux, mais moi je te dirais personnellement ce que je ferais, c'est quotidiennement une petite gymnastique le matin, histoire de bien rapidement apprendre à utiliser correctement les omoplates et les muscles des dorsaux, les dos quoi. Donc
J'espère que cette vidéo t'aura servi. Donc n'hésite pas à me dire si t'as des questions, à me poser des questions et tout. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être pas été très claire, fais-le moi savoir. J'essaierai de mieux expliquer. Sur ce, bah, je vais te le dire à la prochaine fois. Prends soin de toi. À plus.